chemise noire sur les épaules, Pierre Palmade en boîte de nuit à Bordeaux. La scène s'est déroulée ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Une présence remarquée par de nombreuses personnes au cours de la soirée. Il cherchait pas à se cacher, mais il cherchait pas non plus à se montrer non plus, enfin je pense pas. Soit il était assis, soit il bougeait un peu dans les carrés, il allait voir d'autres personnes. Enfin c'est le fait d'être là en fait qui était plus dérangeant qu'autre chose et qui a dérangé pas mal de monde dans la boîte. Pierre Palmade serait arrivé dans la boîte de nuit aux alentours de 3h du matin, accompagné de plusieurs personnes. Selon cet autre témoin, il aurait été placé directement dans le carré VIP de l'établissement. Avec trois gardes du corps qui bloquaient les entrées à ce carré VIP. Il essayait pas forcément d'être discret, puisqu'il a même traversé à un moment la foule de la boîte de nuit pour aller jusqu'au fumoir. Contacté par BFM TV, le gérant de l'établissement refuse de confirmer la présence de l'humoriste dans sa boîte de nuit ce week-end. Une présence qui est pourtant autorisée. Le contrôle judiciaire de Pierre Palmade a été allégé au début du mois. Puisque les médecins ont estimé que Pierre Palmade n'avait plus à être hospitalisé en semaine, c'était le cas jusqu'à présent, ça ne l'est plus désormais. Il est donc libre de ses mouvements à condition de rester dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est son contrôle judiciaire qui lui impose. Son contrôle judiciaire lui interdit néanmoins de prendre le volant et l'oblige à soigner son addiction aux stupéfiants.